Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier vlog de Bien dans ma thèse. Je tiens chaleureusement à remercier tous les contributeurs du crowdfunding qui a débuté en juillet dernier. Grâce à vous, ça me permet de vous proposer aujourd'hui cette première vidéo. Pour ce premier vlog, je vous emmène avec moi une semaine pour voir un peu le quotidien d'une doctorante en troisième année. Mais avant de commencer, j'aimerais vous partager quelques images que j'avais prises lors de ma première année et notamment lors de plusieurs conférences parce que ça fait du bien. Donc aujourd'hui, c'est le premier vlog de cette chaîne. Et pourquoi je fais ce vlog? Parce que vous étiez nombreuses et nombreux à m'avoir répondu à mon petit sondage sur Instagram. Je vous ai demandé si ça vous intéresserait de voir le quotidien d'une doctorante en troisième année. Bien évidemment, j'ai une thèse un peu particulière étant donné que je suis auto-entrepreneur depuis quelques mois. Donc tous les doctorants n'ont pas le quotidien que j'ai, hein, bien évidemment. Tous les doctorants ne prennent pas le train 4 fois par semaine ou des trucs comme ça, ok? Donc voilà, donc il est vrai que avec l'activité de Bien dans ma thèse, parfois ça me prend du temps sur ma journée de travail, comme tout à l'heure. J'ai un rendez-vous pro avec l'équipe qui se charge de tout ce qui est valorisation de l'entrepreneuriat, etc. auprès de l'Université de Lyon. C'est un rendez-vous à 16h, donc forcément ça me prend du temps sur ma journée de thèse. Mais mon travail de thèse, lui, déborde parfois et je finis tard le soir, voilà. Donc je ne suis pas un exemple, hein, bien évidemment, mais voilà, je m'étais dit que ça pouvait être sympa de montrer un peu nos quotidiens. Je suis actuellement en doctorat de sciences des matériaux, je fais de l'impression 3D pour le médical, très exactement. Chaque discipline est différente, nous on a la chance d'avoir un laboratoire où la plupart des gens sont tous les jours là. On a énormément de travail expérimental qui nécessite qu'on soit dans un laboratoire. Et donc, on a, à part en fin de thèse, on a finalement très peu de temps de rédaction vraiment alloué. Ceci étant dit, je suis actuellement en train d'écrire 2 articles, donc il faudrait vraiment que je trouve le temps d'écrire. Mais voilà, donc j'espère que ça va vous plaire et puis bah bienvenue sur cette chaîne. Donc comme je vous disais, là je vais avoir dans pas longtemps un petit rendez-vous pro pour la valorisation de l'entrepreneuriat, etc. Donc je vous en dirai plus après. Et ce matin j'étais en train de préparer une conférence. Normalement c'est une conférence qui aurait dû être en physique, mais voilà, c'est une conférence sur les matériaux pour la santé et j'en ai une autre 2 semaines après qui va suivre. Donc le but c'est que clairement je vais faire la même présentation pour les 2 conférences. Il y en a une où je présente en français et une autre en anglais. Et voilà, on essaye d'optimiser. Je vais quand même adapter ce que je vais dire parce qu'il y a une conférence, c'est vraiment sur l'impression 3D. Donc voilà, il y a des thèmes que je vais aborder plus que d'autres, des choses sur lesquelles je vais appuyer. Mais voilà, donc ça fait très bizarre de préparer une conférence
à distance, c'est pas pareil. D'ailleurs, j'ai fait un post Instagram justement hier soir pour parler de ça, de parler de finalement qu'est-ce que ça nous apporte les conférences, pas seulement que du réseau. Et voilà, je pense que j'écrirai un article bien détaillé dessus parce que c'est important. Et donc, je suis vraiment contente qu'il m'ait contactée parce que ben voilà, ce genre de projet, c'est toujours chouette. Et je pense que dans le doctorat, c'est vrai que l'entrepreneuriat, c'est pas quelque chose qu'on parle souvent. C'est la vérité, on nous parle de l'académique et de l'industriel. Encore que l'académique, comme on le sait tous, c'est très compliqué. Selon le domaine, ça paraît inaccessible, hein, soyons clairs. Nous, à Lyon, quand on a fait notre entrée pour les nouveaux doctorants, on nous a clairement dit que si on visait l'académique, il fallait publier et y penser dès la première année, quoi. Donc voilà, on sait que c'est compliqué. Et c'est vrai que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui est un peu en train d'émerger, en tout cas dans le monde du doctorat. Et c'est pas assez mis en avant, je trouve. Il y a d'ailleurs un super podcast qui est sorti il y a pas longtemps, qui est réalisé par mon amie Elodie Chabrol. Donc ce podcast s'appelle Le Déclic et justement elle va interviewer des jeunes docteurs ou des docteurs qui ont monté leur start-up. Donc je vous le conseille vraiment, c'est vraiment top et moi personnellement ça me fait rêver. Je te contacte parce qu'en fait j'ai vu passer sur LinkedIn, ton projet bien dans ma thèse et puis j'ai vachement accroché à tes podcasts, etc. Et pour la simple et bonne raison qu'en fait c'est l'objet de ma mission, j'ai été recruté là en début septembre. Les tests PCR, et donc du coup, j'ai voulu un petit peu vous expliquer qu'est-ce que c'est en fait un test PCR. Alors là, je vous montre un peu comment fonctionnent mes impressions 3D. Donc là, en fait, je charge mes seringues de mon matériau et puis j'imprime.
J'imprime grâce à un logiciel qui est relié à mon imprimante 3D. Et là, vous le voyez pas, mais je viens de faire un truc incroyable. J'étais en train de sauter dans toute la salle. J'ai réussi à imprimer un multimatériau, chose que j'essaye de faire depuis un an. Donc vraiment, là, vous participez à ma victoire. Du coup, aujourd'hui, on est mercredi. Et j'aimerais réagir par rapport à un truc qui s'est passé hier. Donc je vais vous l'afficher là, je pense. Voilà, il y a eu un tweet qui n'est pas un cas isolé, c'est pas la première fois qu'on voit ce genre de témoignage. Donc le contexte est que plusieurs étudiants 4e année dans une certaine école ont tweeté après une réunion d'information sur la poursuite des études et donc sur le doctorat. Un des interlocuteurs présents a dit, je cite, « Un doctorant qui n'est pas déprimé n'est pas un bon doctorant ». Et il se trouve qu'en fait, ce témoignage était déjà paru dans les années 2018, voilà. Après cette même réunion d'information, au même endroit. Donc effectivement, on peut penser qu'il y a toujours le doute et le contexte, etc. Mais deux fois de suite, relaté par plusieurs étudiants, voilà. Du coup, j'aimerais en parler parce que c'est quand même un sujet très particulier. Je pense que c'est quand même important de prendre la parole sur ce sujet-là. Bien évidemment, le doctorat, c'est quelque chose de difficile, on le sait. Chacun a ses compétences, chacun a surtout ses envies et ses objectifs de vie. Le doctorat est ce qu'il est. Une chose est sûre, c'est que tout le monde n'est peut-être pas fait pour faire un doctorat. En revanche, c'est accessible. Moi-même, la première, je pensais que étant donné que j'ai toujours été dans le milieu du panier, jamais j'aurais le niveau pour faire un doctorat. Si, tout le monde peut faire un doctorat. Voilà, après il faut avoir l'envie, il faut avoir le contexte économique autour à ce moment-là pour pouvoir faire un doctorat. Il faut être soutenu un minimum quand même, voilà. Ceci étant dit, le doctorat c'est difficile, on le sait tous, quand on se lance dans un doctorat, on le sait, on en a conscience. Je ne connais personne qui a dit « Oh, pff, le doctorat, bah, c'était trop facile en fait !» Voilà, on le sait. En revanche, c'est pas parce que c'est difficile que ça doit se faire dans la souffrance. Bien évidemment, il y a un point, un petit disclaimer, c'est que malheureusement, on n'a pas tous la même thèse. On ne vit pas tous la thèse de la même façon, on n'a pas tous la chance d'avoir des directeurs de thèse qui sont et scientifiquement et humainement bons. À vrai dire d'ailleurs, c'est quand même assez rare, en tout cas pour l'ancienne génération, d'avoir des directeurs de thèse qui sont très très bon scientifiquement et très très bon manager. C'est vrai que c'est quelque chose, je trouve, qui émerge de plus en plus, mais qui a encore du mal à être réalisé. On n'a pas tous la même thèse, on n'a pas tous la chance d'être encadrés de la même façon, certes. En revanche, vous, en tant que futur doctorant ou doctorante, vous avez la chance de pouvoir bénéficier des réseaux sociaux comme LinkedIn ou etc. pour, par exemple, contacter des doctorants dans un laboratoire qui potentiellement vous intéresserait. Moi par exemple, c'est ce que j'ai fait. C'est-à-dire que j'ai regardé les doctorantes et doctorants qu'il y avait dans le laboratoire qui m'intéressaient. J'ai envoyé un message et je leur ai demandé « Salut, comment ça se passe avec tel ou tel directeur de thèse? J'envisage potentiellement de faire une thèse avec telle personne et je voulais savoir comment ça se passait avec lui. » Et vous avez la chance de pouvoir faire ça, faites-le vraiment, c'est très important. C'est sûr que des fois, un sujet peut être hyper sexy. Mais si c'est pour qu'après, pendant 3 ans, ce soit signe de souffrance parce que votre encadrement n'est pas bon, ça sert à rien en fait. Bien évidemment, il y a toujours des gens qui vont viser l'excellence, viser le laboratoire incroyable, internationalement reconnu, etc. Mais si c'est pour souffrir, voilà. Je pense que c'est un sujet vraiment tabou et qu'il faut en parler. Parce que, enfin, moi la première, j'ai autour de moi des collègues pour qui la thèse ne se passent pas très bien, qui ne sont pas bien dans leur thèse. Et en fait, on se sent hyper impuissant parce qu'on aimerait les aider, mais en même temps, on peut rien faire. Enfin, c'est pas nous, petits doctorants, qui allons changer l'état d'esprit d'un chercheur renommé. Voilà, c'est sûr.
En revanche, il y a plusieurs actions qu'on peut mener au sein du laboratoire, notamment en étant représentante des doctorants. Donc c'est ce que je suis représentante des doctorants au sein de mon laboratoire et aussi au sein de mon école doctorale. Et j'essaye d'amener quelques discussions importantes. Par exemple, un truc tout bête, cette année ils ont voulu retirer les CST, donc les comités de suivi de thèse des premières années parce que c'était trop compliqué à mettre en place avec ce qui s'est passé. Eh bien, avec l'autre représentant des doctorants, on a trouvé que non, c'était grave de faire ça, qu'un comité de suivi de thèse est très important, d'autant plus en première année. Et donc, on a un peu... on a fait remonter l'information comme quoi on pensait, on trouvait ça plus pertinent de le laisser. Et les premières années ont quand même eu leur CST. Tout ça pour dire que, voilà, vous pouvez changer les choses à votre échelle, petit à petit, il faut... En fait, il ne faut pas avoir peur. Après, encore une fois, je sais aussi que dans certains laboratoires, les doctorants ne sont pas du tout écoutés, et ça c'est très malheureux, et ça ne devrait plus exister, mais malheureusement, voilà, il y a encore des endroits où c'est comme ça. C'est un sujet très important, la dépression pendant la thèse, le mal-être pendant la thèse, c'est réel, c'est quelque chose de grave. Beaucoup arrêtent la thèse pour ces raisons-là en premier. Certains arrêtent parce que finalement ils se rendent compte au bout d'un an que bah non en fait le doctorat c'est pas vraiment ce que je veux faire. Bah très bien, les comités de suivi de thèse sont là pour ça et tant mieux. Mais beaucoup de gens arrêtent parce qu'ils sont soit vraiment malheureux dans leur sujet, malheureux dans leur encadrement, qu'ils n'arrivent pas à trouver l'équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie privée. Parce que oui, le doctorat, faut savoir, c'est un travail parce qu'on est salarié. Mais vous savez, c'est comme quand vous êtes étudiant et que tous les soirs, vous pensez à vos révisions ou à vos partiels. Bah, en fait, le doctorat, c'est comme ça, sauf que c'est comme ça tous les jours pendant minimum 3 ans de suite. Il n'y a pas une journée où vous ne pensez pas à votre thèse. Même inconsciemment, vous pensez à votre thèse. Donc voilà, c'est sûr que c'est psychologiquement, c'est très lourd. Et c'est pour ça que c'est très important d'être bien entouré. Si possible, vraiment, si vous voulez vous lancer dans une thèse, renseignez-vous sur... l'ambiance générale du laboratoire, l'ambiance des doctorants entre eux dans ce laboratoire et surtout votre encadrement possible. C'est très important et vous avez le pouvoir de le faire. Vraiment, moi je vous parle avec mon exemple personnel. En fait, pour tout vous dire, le sujet que j'ai choisi, c'était pas le sujet que je préférais sur le papier parce que j'ai été acceptée dans plusieurs thèses et c'était pas celui que je préférais. En revanche, après m'être renseignée par rapport à l'encadrement, c'était celui où je pense que je pouvais plus m'épanouir et je ne regrette pour rien au monde et j'ai fait vraiment le bon choix, croyez-moi. Donc voilà, au nombre de vues de réactions qu'il y a eu sur mon post, donc aujourd'hui, mercredi, attendez, je vais vous dire à combien on est. Nous sommes actuellement à 38 677 vues avec 622 réactions et 80 commentaires. Donc c'est énorme. Je pense que c'est un sujet hyper important et que, au vu de la réaction de l'établissement qui a été visé, encore une fois, c'est pas l'établissement que les étudiants ont visé, c'est vraiment l'individu qui a prononcé ces mots 3 années de suite. Il y a quand même un problème. Bref, c'est au rôle de l'établissement de travailler sur le message à faire passer pour la valorisation du doctorat. Clairement, on vous dit. Bah du coup, si vous n'êtes pas déprimé, vous n'êtes pas un bon étudiant, bah qui voudrait faire un doctorat en fait? Je suis pas venue ici pour souffrir quoi. Donc vraiment, déjà qu'on a du mal à faire reconnaître ce diplôme en France, ça c'est pareil, c'est un autre sujet, pourquoi ne pas donner envie aux étudiants de faire un doctorat? Tiens, chaleureusement à remercier vraiment toutes les personnes qui ont réagi. Tous les commentaires sont instructifs, qu'ils soient bons ou mauvais. Vraiment, c'est chacun a sa vision de la chose et en fait, ce qui est intéressant sur ce post, c'est qu'il y a eu des réactions d'étudiants, il y a eu des réactions d'enseignants-chercheurs, il y a eu des réactions de directrices d'écoles doctorales, etc. Et je trouve ça hyper intéressant d'avoir le point de vue comme ça à différentes échelles et également dans différentes générations. Je vous invite vraiment à vous sensibiliser en tout cas à ce sujet et à faire attention à vos collègues autour de vous parce que c'est très important. Thank you.
c'était juste pour te dire que les tasses sont bien arrivées à Paris et du coup, je voulais savoir si c'était possible qu'on aille les chercher avec ta voiture. Quand ça ? Elles sont trop belles, t'as vu ? Ouais, elles sont magnifiques. Ouais. Contente ? Trop contente. Donc, comme je disais, les tasses sont arrivées. Pour ceux qui ne sont pas au courant, j'ai lancé une campagne de financement en juillet dernier et il reste aujourd'hui 8 jours sur la campagne. Alors pourquoi j'ai fait une campagne de financement? Tout simplement parce que je voulais investir dans du meilleur matériel. Déjà, le micro que j'avais avant, bon, c'est un micro que j'utilisais pour mes podcasts au sein de l'association Inde des Sciences. Et c'était pas non plus des micros de podcast de ouf. Donc voilà, j'ai investi dans un super podcast magnifique. Des épisodes inédits arriveront bientôt avec le nouveau micro. Et je voulais également investir dans ça, donc dans la caméra que vous voyez là, parce que je vais être amenée à travailler sur plusieurs projets, dont notamment un qui arrive bientôt, c'est le projet mené par la BPI, qui est le concours iPhD. Donc si vous ne savez pas ce que c'est, le concours iPhD, c'est un concours qui permet à des jeunes docteurs ou des doctorants de fin de contrat qui peuvent postuler à ce concours. Et donc, tout simplement, le but de ce concours, c'est de proposer des sujets de start-up ou d'entreprise, des sujets d'innovation, notamment dans la deep tech, pour avoir des aides si vous gagnez et pouvoir lancer votre boîte. Donc c'est trop cool, je vous montrerai tous les renseignements en barre d'infos. Et donc dans le cadre de ce concours, la BPI m'a demandé d'être présente à certains événements clés, notamment le jour de l'événement également. Et donc il me fallait quand même quelque chose pour vous retransmettre tout ça. Donc voilà, la campagne de financement c'était ça, et puis plein d'autres choses. Il y a eu le site internet Bien dans ma thèse qui est sorti. Donc je suis très contente, ça va m'obliger à écrire des articles, comme si j'en avais pas déjà écrit. Mais voilà, ça va m'obliger à écrire et c'est très important, il faut... De toute façon, je voulais faire ça pour écrire. D'ailleurs, en parlant de ça, je vais bientôt lancer un writing challenge. Une autre bonne nouvelle de cette semaine est que j'ai eu le mail officiel de mon départ à Londres. Alors pour la faire courte, parce que je ferai une vidéo dédiée à ça, parce qu'on m'a beaucoup demandé sur les réseaux sociaux comment on faisait pour faire de la mobilité en doctorat, quelle aide on a le droit de demander, etc. C'est vrai qu'on n'a aucune information, moi je vais être transparente avec vous, j'ai dû me démerder, j'ai dû trouver toutes les informations toute seule, vraiment c'est d'une complexité, bref, voilà. Mais je pars. Et donc en fait, tout simplement, j'avais demandé à mon directeur de thèse, on allait en conférence en Italie, on était en voiture, et je lui dis, tu penses que c'est possible de partir comme ça à l'étranger dans mon doctorat pour apprendre l'anglais? J'étais en mode, je viens vraiment me demander ça. Et il me dit, oh mais oui! Mais oui, mais je savais pas que tu voulais le faire, mais j'attendais que ça, que quelqu'un le fasse, mais c'est super, vas-y, fonce, tu voudrais aller où? Et en fait, là, j'ai commencé à regarder quel laboratoire se rapprochait de mon sujet de thèse, et il y en a notamment un à l'Imperial College London, qui ont exactement la même imprimante 3D que moi, donc celle que vous avez vue dans des sneak peeks pendant ce vlog. Et du coup, je me suis dit, allez, go, run to London. Et il se trouve en plus que dans cette équipe, il y a un ancien du laboratoire, que demande le peuple, qui est français. Oh, les démarches administratives. Donc voilà, donc c'était vraiment la trop bonne occasion. Je suis un peu stressée, je vous avoue, mais c'est trop cool. Voilà, toutes les infos que j'avais à vous montrer.